Les 15 km du Gosier, c'est une opération qui fait partie du plan d'urgence, dont le but est de renouveler les réseaux qui sont vêtus sur le territoire de Gosier-Grandfonds. Nous avons à la fois sur les distributions des réservoirs de Port-Blanc, donc toute la zone de Pliane, la zone de Bellevue, la zone de Jacotière, la zone de Gros-Montbin, Beaumanoir, Diomar, et également sur des zones un peu alimentées par le secteur de Carac, la zone de Cocoyer, la Boye aussi également, la zone de Mathurin, ce sont des zones qui font partie de ce renouvellement. Dans un premier temps, les techniciens et le service technique ainsi que le service exploitation de la Régie des eaux Nord-Caraïbes a proposé, fait des propositions par les études de canalisation des zones à renouveler. Et par la suite, le service études et grands travaux de RENOC a participé dans toute la partie accompagnement des différents maîtres d'œuvre. Sur ces chantiers. Également, nous avons les fontainiers qui sont sur le réseau, qui accompagnent aussi les travaux en faisant des manipulations de vannes et en faisant des ouvertures et des fermetures pour pouvoir procéder au renouvellement. Alors, le projet est subventionné par le département à hauteur de 6,1 millions environ. Par la CARL à hauteur de 664 000 euros et par l'État à hauteur de 506 000 euros. Alors, ces travaux courent sur une année à peu près. Ça a commencé en cours de 2019 et vont s'achever très bientôt là, en 2020. C'est un réseau totalement neuf, à la fois en canalisation principale et à la fois en branchement client, branchement abonné. Donc toutes les fuites qui se trouvaient sur les branchements des abonnés sont résorbées de fait. Les autres communes de la Riviera du Levant vont bénéficier de ces travaux, effectivement, puisque les réseaux du Sud Grande Terre sont connectés, sont interconnectés. De fait, si on a une amélioration sur un réseau avec une augmentation du rendement, ça veut dire qu'on aura besoin de moins d'eau et cette eau va pouvoir être redistribuée sur d'autres communes de la Riviera du Levant.